Quelle journée admirable, comme il fait bon ce matin. J'aime ma maison où j'ai grandi. Sur la Seine qui va de Rouen au Havre, un beau navire brésilien passe devant mon jardin. Depuis 2 semaines, la fièvre m'a pris, je suis souffrant. J'ai peur de la nuit, je redoute le sommeil. Des cauchemars me hantent, m'étouffent, m'écrasent, l'angoisse plane. Mon état s'est encore aggravé. L'air frais, léger et doux de la forêt devait me donner une énergie nouvelle. Mais, lors de ma promenade, un frisson m'a saisi. Étais-je seul dans cette forêt? J'ai entendu des pas derrière moi. Il n'y avait personne. Tout tournait autour de moi. Je me suis perdu. Une étrange sensation s'installe dans mon âme. Je veux la fuir. J'ai besoin de changer d'air. Il faut que je parte en voyage. Quelle vision quand on arrive au Mont-Saint-Michel. La ville est sur une colline dans une baie démesurée. À l'horizon se dessine le profil d'un fantastique rocher, qui porte sur son sommet un fantastique monument. Après plusieurs heures de découverte, j'ai rencontré à l'abbaye un vieux sage qui m'a fait découvrir une légende. Les gens du pays prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables. Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer, qui ressemblent tantôt à des bêlements et tantôt à des plaintes humaines. Mais les pêcheurs jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes, entre deux marais, un vieux berger qui conduit un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme, parlant sans cesse, se querellant dans une langue inconnue. Je ne voulais pas croire à cette légende. Le moine me dit alors. Est-ce que nous voyons la 100 000e partie de ce qui existe? Tenez, voici le vent, qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit, l'avez-vous vu? Et pouvez-vous le voir? Il existe pourtant. Je me tue devant ce simple raisonnement. Ce qu'il disait là, je l'avais déjà pensé. Décidément, le doute me rattrape et me gagne. De retour à la maison, j'ai mal dormi. Mes cauchemars anciens reviennent. Je sens une présence. Je la sens mais ne la vois pas. Elle se cache. Chaque nuit depuis mon retour, j'ai l'étrange impression qu'elle boit ma vie entre mes lèvres. Je me sens faiblir, désagréable sensation qui s'accroche. Je crois que je m'aperçois de moins en moins.
Ai-je perdu la raison? Ce qui s'est passé la nuit dernière était tellement étrange que ma tête s'égare. Quand j'y songe, avant de me coucher, ma carafe était remplie. Le sommeil m'a pris. À mon réveil, la carafe était vide, complètement. Cela n'a plus rien d'un rêve. La réalité m'échappe. La nuit dernière, j'ai fait une expérience. J'ai pris soin d'envelopper la carafe en des linges de mousseline blanche et de ficeler le bouchon. Ensuite, j'ai pris de la suie dans la cheminée pour frotter mon visage. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Sur la table, les linges enfermant la carafe étaient immaculés, plus d'eau. Suis-je somnambule ou fou? Est-ce une illusion? Y a-t-il quelqu'un chez moi? Je ne pense qu'à ça, l'angoisse grandit encore. Je crois que je perds le contrôle. Après un séjour de 2 semaines à Paris, aujourd'hui, tout va bien. J'ai passé une belle et paisible journée à la maison. J'ai pu reprendre mes vieilles habitudes. Je suis soulagé, la guérison se rapproche, je retrouve ma tranquillité et la raison. Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu distinctement, aujourd'hui, à 2 heures, je me promenais dans l'allée des rosiers. Je me suis arrêté pour regarder une rose à la couleur éclatante et j'ai vu distinctement la fleur s'élever, suspendue dans l'air, seule. Quelle frayeur! Je suis rentré chez moi bouleversé. J'ai si peur que je ne sais plus rien. J'ai passé hier une affreuse soirée. Qu'est-ce que cela? Ça? Oui, ça, ça m'observe. Cette cohabitation ne peut durer. Ça me hante, ça m'épie, ça me domine dans tout mon être. Caché en moi? Est-ce la folie qui s'est insinuée et qui m'occupe? Est-ce qu'un fou peut s'interroger ainsi? Quelle nuit! J'ai ouvert les yeux sans faire un mouvement. Réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord, puis il me sembla que les pages du livre tournaient toutes seules. Je suis fou de terreur et de colère. Je veux la paix. Je sais tout. Je viens de lire dans la revue du Monde scientifique qu'une épidémie de folie sévit en ce moment à Rio de Janeiro. Les habitants se disent poursuivis, possédés, gouvernés par des êtres invisibles pendant leur sommeil. Je me rappelle maintenant du 3 mois brésilien sous mes fenêtres, le 8 mai dernier. Est-ce une maladie qui me tient ou un passager invisible venu par ce bateau? C'est lui, le Horla, oui, tel est son nom. Il me hante, il est en moi, il devient mon âme. Ce matin, il a avalé mon reflet. Je l'ai vu, cette vision d'épouvante ne me quittera jamais. Il est là, il existe, je n'ai plus de doute. Il faut que je tue cet être insaisissable, maléfique et perfide, avant que lui ne me dévore. Comment le tuer? Comment l'atteindre? Je dois me protéger, j'ai un plan diabolique, barricade, serrure et persienne de fer. Je fais venir un serrurier de Rouen, c'est décidé, j'enferme ce monstre, avide de domination.
Cette fois, c'est fait. C'était lui ou moi. J'ai fermé les portes à double tour. Je sentais qu'il s'agitait autour de moi. J'ai failli céder à la peur. Et je l'ai enfermé. Je le tenais. J'ai renversé l'huile des lampes partout. Puis j'ai mis feu. En un brasier infernal, j'ai mis fin à cet enfer. Tout était noir, muet, immobile. Je regardais ma maison et j'attendais. De grandes flammes rouges, jaunes, longues, molles, caressantes, montaient le long des murs jusqu'au toit. Mais un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme passa dans la nuit. J'avais oublié mes domestiques. Je vis leurs faces affolées et leurs bras qui s'agitaient. Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles, et je ressentis un frisson de peur. Éperdu d'horreur devant ce bûcher horrible et magnifique, je m'interrogeais. Et s'il n'était pas mort? Alors va-t-il falloir que je songe à me tuer ?